Hello, hello, how are you today? I hope you're doing well. Non, ça ne va pas, on va switcher en français. Ça ira très très bien. Bon, je suis désolée, en ce moment je suis en apprentissage intensif de l'anglais dans mon travail. Donc, ce qui fait que vous allez de temps en temps m'entendre parler anglais. Enfin, parler, c'est un gros mot, mais dire quelques mots en anglais parce que j'adore cette langue et j'espère qu'un jour je vais pouvoir parler anglais comme français, comme arabe et pourquoi pas d'autres langues aussi. Voilà, donc bienvenue mesdames, messieurs, dans cette nouvelle vidéo qui est à la suite de l'ancienne, enfin de la précédente, où je vous ai présenté l'imprimante Epson pour faire de la sublimation. Et donc à la fin de la vidéo, vous avez vu que ben, les couleurs, c'était pas très satisfaisant, la qualité d'impression ou de sublimation, c'était pas ouf. Et je vous ai promis d'aller chercher pourquoi et de vous faire une nouvelle vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire ou quelle étape faut respecter pour avoir une bonne sublimation. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dis tout. Allez, let's go! Donc là, j'ai commencé par faire mon dessin sur le logiciel Canva. Ensuite, je l'ai téléchargé en PNG. Et faites attention avec un arrière-plan blanc, voilà, et non transparent. Moi, j'ai mis transparent, mais j'ai refait la manip. Donc arrière-plan blanc. Donc normal, il ne faut pas cocher transparent et extension PNG. Dans le logiciel Cricut Design Space, je viens chercher le projet qui s'appelle Mug, Design Mug. On va le voir, on va le retrouver, c'est tout en bas normalement. C'est un projet Cricut. Et là, il est là, voilà. Your design here. Voilà. Donc c'est bien celui-là, Drawn Mug Design Setup. Donc c'est bien celui-là. Je vais laisser la contenance par défaut de 140 mm. Et là, c'est le gabarit qui va vous aider à placer vos dessins. Ensuite, je vais aller télécharger mes images que j'ai faites sur Canva. C'est le premier. Je vais sélectionner complexe. Et ensuite, continuer. Donc, je vais laisser comme il est. Je vais rien toucher. Et là, ce n'est pas de la découpe qu'on va faire, c'est image imprimée pour découper. C'est ce qu'on appelle le print then cut. Et je pense que c'est une option qui est disponible que pour la Cricut Maker 3. Je vais redimensionner mes images et les placer en fonction de ce que vous souhaitez. Hein. Voilà, et la deuxième, pareil. Et ensuite, je vais aller dans l'onglet tout à droite qui s'appelle calque. Et je vais cacher le guide Mug, donc Mug Area Guide. Je vais le cacher, je vais resélectionner tout mon dessin avec le gabarit et je vais cliquer sur aplatir tout à droite en bas. Ensuite, je fais créer et là je sélectionne le mode miroir parce qu'on va imprimer en miroir. D'accord? Donc là, c'est l'étape la plus essentielle, enfin importante. Je vais sélectionner l'imprimante Epson, puis ajouter les fonds perdus. On va le décocher et on va cocher utiliser la boîte de dialogue de l'imprimante. Ce qui fait que je vais pouvoir enregistrer mon dessin en mode PDF, d'accord, et ne pas l'imprimer directement. Alors je fais tout ça parce que quand je l'enregistre en PDF, je vais pouvoir changer les paramètres de l'imprimante plus facilement. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir mon PDF. D'accord? Et là, dans Aperçu, au milieu, là, je vais sélectionner Configurer l'imprimante. Et bien sûr, vous allez devoir utiliser Mat Epson en support et la qualité supérieure. C'est les deux choses qu'il faut absolument faire avant d'imprimer votre dessin. Donc, sélectionnez le papier Mat Epson, puis la qualité supérieure. Les deux. Là, j'ai imprimé mon dessin. Et c'est ça en fait, c'est cette étape-là qui manquait par rapport à l'ancienne vidéo. J'ai pas fait ces deux choses-là, la qualité supérieure et impression sur papier mat. Donc ça donne ça, c'est normal. Le dessin, vous allez voir que les couleurs sont pâles, mais ce n'est pas les vraies couleurs que vous allez voir sur le mug. Je reviens sur le logiciel Design Cricut Space pour découper le gabarit. D'accord? Parce que là, j'ai toute la feuille A4, mais moi, je veux que le gabarit, que le petit papier qui va y aller, enfin, que je vais coller sur ou autour du mug. D'accord? Donc voilà. Après, normalement, vous pouvez ne pas utiliser la machine Cricut pour la déco. Vous pouvez le faire avec un ciseau, hein, ça va très bien. C'est juste que avec la machine, vous avez vraiment tout le gabarit bien découpé.
Et ce qu'il faut retenir pour cette vidéo, c'est trois choses. Si vous utilisez le logiciel Cricut Design Space, eh bien, il faut enregistrer d'abord votre dessin en PDF. Comme ça, vous avez accès au paramétrage de l'imprimante. Et comme ça aussi, vous pouvez modifier la qualité de l'impression à supérieure et le support en papier mat Epson. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Après, je viens du coup scotcher le papier, enfin en tout cas notre dessin autour du mug. J'ai utilisé le scotch spécial pour ce type de choses. Enfin, on va dire c'est un scotch qui supporte des grandes températures. Moi, je l'ai eu avec la machine. Mais vous pouvez l'acheter soit sur le site de Cultura ou d'autres sites. Ça dépend si vous êtes OK ou pas pour les sites chinois comme Temu, Shein, AliExpress et tout ça. Mais en tout cas, il y en a enfin, qui se vendent à pas très cher, quoi. Voilà, donc là, j'ai mis mon mug. J'ai laissé que tous les voyants soient allumés. Et j'ai ouvert. Je vais juste le laisser refroidir un petit peu avant de le toucher. Là, j'enlève mon mug. Et on va en voir ensemble le rendu final. Ici, j'ai utilisé le tapis Cricut. En fait, j'utilise pour tout ce qui est haute température. Donc, soit pour presser à haute température ou même pour déposer mon mug. Enfin, voilà. C'est une protection, on va dire. Normalement, pour la mug press aussi, vous ne pouvez pas la poser n'importe où. C'est dit dans les consignes de sécurité qu'il faut utiliser un tapis comme ça. Avant d'allumer ou avant d'utiliser la Cricut Mug Press. Moi, je le fais pas, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je vous le dis quand même. Donc voilà, c'est ça le verdict, c'est le résultat final. Bon, après, sur la vidéo, on voit pas très bien, si, un peu comme ça. Mais en tout cas, la qualité, elle est parfaite. Franchement, ça change beaucoup par rapport aux premiers essais que j'ai faits. Voilà, je suis très très contente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant vous savez ce qu'il faut faire. Qualité supérieure et papier mat Epson pour avoir une très bonne qualité de sublimation. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Effectivement, je réponds pas à toutes les questions en ce moment parce qu'il y a les malins en fait qui m'ont posé des questions un peu bizarres. Enfin, je trouve que c'est quand même. Je peux pas répondre à tout, en effet. Il y a des choses que si je vous donne ça, c'est comme si je vous donne le secret de mon métier. Donc je suis désolée. Soit je vous redirige vers comment moi j'ai réussi à avoir des réponses, mais je ne peux pas vous donner la réponse directe. D'accord? Notamment sur les fournisseurs et tout cela. Donc voilà. Donc, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut, salut!